Ça va bien? Oui. Alors, on y fait la cuisine? Oui. Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui là? Sauté crevette. Un sauté crevette? Hein, sauté crevette avec des légumes? Oui. Quels légumes ça met dans là? Des haricots verts, ouais. Et gros piments. C'est tout? Oui. Il n'y a pas autre chose, rien alors? Pas un petit peu carotte, pas un petit peu rien. Donc, tout est vert alors? Ben. Hein? Donc, le camaron seulement sera un peu rose. Ben. Alors, le camaron, comme ça, ça fait un sauté camaron, mais où on n'enlève pas la coque? Ben, il dépend. Un ami Pémouni enlève la coque. Ah, ou on enlève pas? Non, des fois. Des fois, on enlève? Hein? Oui, mais les petits gars, il y a quand même enlève, mais là, après que ça mange. Après, ça bataille avec. Ça bataille avec. Mais là, on dit ça bataille avec parce que ça enlève la coque là. Si, on va enlever. Non, mais si on ne veut pas enlever, on enlève pas. Hein, fais comme vous faites d'habitude. Hein? Bon. Habitude, on n'enlève pas. Bon, ben les bons, ben, fais comme vous faites habituel, habituellement. Les bons? Bon. D'accord, alors les bons. Hein, ben, ça commençait par quoi ou là? Hein? Ça coûte gros piment. Ouais, prépare les légumes ouais. Et tout ça. Et après, les bonnes épices, tout ça, tu vas mettre dedans. On va dire, mettre à l'heure là. Ouais, mais les bon. Bons? D'accord, alors. Ben, les bons. Okay. Allez, allons. Belle! Oui. Qu'est-ce qu'on fait derrière le bar? Ramasse de l'eau. Tu ramasses de l'eau? Oui. D'accord, on ramasse de l'eau. Fait des provisions. Provisions? Oui. Ah, parce qu'il n'y avait plus de l'eau? Non, si, il y avait encore, mais on en a une autre. Ah, on l'amène avec un petit peu, alors, les bons. Alors, comme ça, où ça va en manger camaron aujourd'hui? Enfin, camaron crevette, sauté crevette. Sauté crevette. Ah, avec la coque? Oui, bah oui. Ah, ben aussi, il fait des fois avec la coque? Oui, enfin, il mange quand le monde il fait ouais, avec la coque. Quand le monde il mange, hein, mais oh, pas trop, mais on cuisine un petit peu au cas où? Oui, bah oui, il faut bien manger. Il faut bien manger, ben oui, oui. Après, il faut que Cristal aussi mange un petit peu. Oui, quand même. Hein. Mais bon, là, alors, le bar est prêt. Hein, et donc, bah, Didine aussi est prêt, mais ça va alors? Oui, c'est bon. Allez. Allez, allons. Didine, qu'est-ce que tu en fais? Tu enlèves la coque? Non. On enlève pas la coque là? Hein? Non. Mais par contre, on enlève le petit affaire dedans là. Hein? Comment il appelle le petit affaire dedans là? Le petit. Hein? Ah, on coupe pas les couteaux. Attention, on coupe pas devant. Non, je ne coupe pas. Mais on joue avec le couteau là pour vous. Hein? Oui, le couteau il coupe pas, le pli vilain. Le couteau là ici, on le prend ali. Hein? On la fait attention au bout de doigt et là où on lève le petit lâche dedans là, petit lâche du milieu là, c'est ça qu'il faut enlever. Et après la coque, on laisse la coque exactement comme quand ça fait un sauce camaron, ouais. Un sauce crevette. Hein? Et par contre, où ça fait sauter le crevette, ouais? Ouais. Avec légumes. Hein? Un peu comme chinois? Oui. Chinois? Ben. Ben, on a famille chinoise ou? Non. Mais alors, vous, la famille chinoise, tu sais apprendre où alors? Ben, elle m'a apprendre tout seul. Apprendre tout seul? Ben. Ah, bon, d'accord. Hein? Bon, ben, mais laisse-le, voilà, hein. Laisse-le finir tout parce qu'on le cabe un petit peu là. Ah, c'est à lui là. On prend un autre couteau là. Allez, prends un autre couteau. Mais attention, le couteau qu'on vous doit après parce qu'il y a un autre couteau ici, mais il coupe. Hein? Ouais. Mais bon, là, avec un ciseau, il n'est pas les meilleurs encore. Tu vois? Tu veux un ciseau? Ben, bon, un ciseau ici, t'en mettras à peine pour. Bon. Alors, là, utilise mon ciseau, m'amène pas où alors? Ben. Ça plie vite? Ah oui. Hein, le petit gaillard. Ben. Hein, et moi, comme ça, on ne coupera pas une main avec. Hein, avec un couteau faut qui ne coupe pas. Hein. Voilà. Bon, c'est pas un bout de tourner avec ça. Hein. Ben. Il faut nettoyer un par un. Ben. Hein. On n'est pas bon. Ben. Hein. Mais comment on fait quand les oreilles mangent avec ça? Pas. Hein. Pas. Et bon, ben, là, ça va alors. Bon. Alors, ça, c'est les épices pour sauter, ça alors. Ben. Hein. Et multifonction aujourd'hui. Hein. Multifonction, mal à vu. Alors, Didine, qu'est-ce qu'on a de là? Alors, quand on fait la l'ail. Gingembre. L'ail et gingembre. Ouais, hein. L'ail est par ici. Hein, et le gingembre est là. Hein. Donc, où ça mixe tout ça après alors? Je préfère piler. Ah, vous préférez piler ou? Ah, oui, il n'y a pas trop d'histoires moulin là ou non? Non. Hein, d'accord, alors, ok. Hein, c'est bon alors. Hein, ouais. Cristal encore avec l'ail. Hein. Et après, je crois que je l'ai fait une préparation de gros piment, tu es là. Oui. Hein. Et après, ou tes haricots verts aussi, tu es là. Hein. Et ma vie, on prend un peu gros oignons aussi. Hein. Parce que vous voulez effeuiller les oignons? Oui. Hein, effeuiller les oignons. Ils ne coupent pas, hein, pas à petite croche, ils effeuillent. Hein, ben. Un petit sauté comme ça. Hein. Et là-dedans, ça met quoi? Ça met poivre, ça met siave aussi? Oui, siave, sauce d'huile. Sauce d'huile aussi, alors? Un peu de manioc. Pour de manioc aussi? Oui. Les nains, pour de manioc. Mal érodé, les nains, là, sûrement. Bon. Hein? Sur le pied manioc? Sur le pied manioc? Oui. Ah, la poudre manioc sur le pied manioc? Ben oui, on raque un petit peu comme orgue et la poudre. Attendez, on écoute, où est-ce que tu les veux? Non. Ah, il faut essayer peut-être aussi, peut-être pas aussi sorte. Mais bon, la poudre manioc. Et bien sûr, on a aussi un petit peu d'oignon vert par-dessus. Ouais. Après, ça, c'est à la fin, ça. Hein? Ben. Hein? Et malgré tout, on a coton midi aussi, tu es là. Hein? Donc, oui, c'est pour mettre dessus aussi. Hein? Parce qu'il y a un bon petit sauté avec un peu de coton midi dessus, il est bien. Hein? Il donne le goût. Il donne le goût.
plaît. Bon, alors, ok. Une bonne camaron, une bonne crevette, tout est fini nettoyé là. Alors. Ben, tout. Oui. Le prends le temps pour nettoyer ça. Ah oui. Ah, il faut c'est prendre... bien sale. C'est bien sale. Un par un. Hein? Ben. Voilà, les bons alors. Ah, mon doigt. Ça met tout m'a mis sur le feu. Parce que l'huile, ça fait revenir quoi avant là? Crevettes. Les crevettes avant? Oui. Allez, bon alors. Et après les légumes, ça fait sauter et tout. Ou là mélange déjà tout le temps ensemble bien là, ou ça mélange là tout de suite dans la marmite avec? Dans la marmite. Ouais, mais les crevettes, là, pour rien y a pour l'instant, hein? Non. On n'a pas fait un assaisonnement, non, rien, non. Tout ça. Hein? Ben les bon là, ok. Mais moi, Cristal à côté, ben. Il donne un même petit coup de main. Il vient à côté là. Moi. Il vient à côté où il y a là? Le comique aussi. Ah, le comique? Le comique. Ah bon, t'as le comique, hein? Oui. Mais voilà, dans les quoi là-dedans là? Ah bon, ben ça, tu nous l'as préparé là. Les haricots verts, gros piment et oignons secs. Ouais. Hein? Mais quand on nous demande dans le sud, on a dit oignons secs. On a une petite tête d'oignon. Ouais. Ah, on dit comment? On dit oignons tout court. Oignons tout court. Hein? Christelle, c'est quoi ça? C'est un mélange de l'ail, l'ail, gingembre, poivre et puis après un petit peu d'oignon encore de l'autre côté là-bas. Hein? Ouais. Mais bon, ça pas créole, ça un petit peu de la sauté, sauté à un petit peu à la façon créole, non? Non. C'est un mix sauté, ça. Un mix sauté? Ben. Un mix sauté, alors. Hein? Oui, la rajoute, c'est plus aime. Voilà, les bon. Bon, ben, les bon, allez, allons. Des bouteilles de l'huile comme ça? Ben. Hein? Hein? Des bouteilles d'eau, ici, au 4 à 3 litres. Hein? Ouais. Les plus rentables pour ici, tout le temps, ils utilisent de l'huile ici. Donc, du coup, tant qu'à faire, nous a dit comme ça, nous achète des gros. Hein? Ben, oui. Ben, souvent, ah oui, parce que quoi, achète 2 litres, il y en a 1 litre à offrir. Ben. Donc, les plus rentables. Mais est-ce que les vrais, je ne connais pas. Je ne connais pas aussi. Hein? Et me rappelle plus le prix mal acheté. Hein? Mm. Parce qu'une bouteille de l'huile ISO 4, il coûte à peu près 2,50€ à peu près. 3€ quelquefois dans un petit boutique. Parce qu'il ne prend pas ça. On prend quoi, eux? De l'huile normale. Bon marché? Ben. Voilà, 1€ la bouteille. Hein, tournesol. 1€ la bouteille ou bien un petit peu moins encore des fois? Il dépend, quand on est en promotion, c'est 1€ un bout. Ah bon? Et ISO 4 est plus cher? Ouais. Hein. Mais à dire ISO 4 est meilleur. Ah, c'est la marque alors. Donc ouais. De l'huile, il reste de l'huile alors. Mais hein? Peut-être n'a pas le même goût, mais quand n'a pas le même goût. Les bons, ok. Hein, ils ont 4 têtes. Ben, ils payent pas nous, ils nous font la pub même pour nous. Hein? Bon. Vous remarquez ça? Les bons. Et là, Christelle, qu'est-ce qu'on a mis à côté là? Siave avec sauce d'huître. Un petit peu poudre manioc aussi, on l'a vu. Oui. Hein? Poudre manioc, il est bien écrit poudre manioc dessus. Et c'est pas la poudre manioc, pas tirer à clé sur le pied de manioc d'hier. Hein? Non. 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 Les bons. Et Mamie, t'es chaud là, non? Hein? Le feu, il est bien. Mais pas trop fort le feu. Hein? Il faut faire sauter, il faut pas le feu un petit peu plus fort, non? Oui. Non, les bons. Hein? Bon. Là, un petit peu d'huile dedans. Hein? Voilà. Ou y'aime de l'huile, matin et pas. Ou y'aime de l'huile? Ah bon? Pourtant, on n'est pas gros? Bah oui, c'est pas de mon dimanche de l'huile les plus gros. Ah bon, c'est qui alors? Bah, je sais pas, il mange d'autres choses, tout ce qui est gras. Donc, c'est dans ta DNA même, hein, ouais. Oui, aussi. Mais de toute façon, tu n'as jamais été trop gros, lui, hein? Jamais été trop gros, lui, hein? Ouais. Voilà, hein? Mais bon. On hein? Peut les gâter par la nature, vous voyez? On a fait de l'eau dedans, hein? Donc il faut enlever de l'eau parce que sinon ça fait tcha! Pourquoi hein, quand de l'eau va tomber avec de l'huile? Hein? Alors, on y court. Après quoi? Et bon, voilà, on enlève de l'eau dedans. Allez, prenez-la pour courir. Vous prenez-la pour courir. Et on met. Et bon, il n'est pas trop chaud là, ça va. Enfin, pas trop d'eau. Hein, mais bon. Et on se fait revenir un petit peu là? Ouais. Peut-être pour faire force un petit peu le feu, non? Tout ça, il reforce un petit peu le feu. Voilà. Voilà. Ah, et bon là, ben, moi comme ça, il fait revenir bien rapidement. Parce que je suis moyenne de feu, ça vous connaît? Mmh, hein? Ben, là, on a des machines pour que le feu il marche encore plus vite. Ça, il y aurait plus de gaz à l'intérieur. Enfin, plus de. Oui, ouais. Mais le gaz en pression. Mmh. Hein? Et ici aussi, nous avons la machine pour avoir le gaz en pression. Et bien, ça se fait le feu. Et là, on va mettre toutes les bonnes ingrédients dedans. On commence par un petit peu d'oignon comme ça. Et ensuite,
avec tout de suite, vous mettez tout de suite la machine, bien, on fait revenir un peu, voilà. Vous comme si ça fait un sauce créole. Ben. Hein? Un sauce créole, c'est elle, non? Un sauté créole. Sauté créole. Ben. Voilà. Plus joli. Plus joli. Ben. Voilà. Voilà, je vais les programmer. Voilà. Bon. Hein, c'est le marmite? Ben aussi, vous avez vu quelques qualités de marmite tout prend. C'est le seul marmite à peau couverture ici. Eh, pas grave, les bons. Et là, ensuite de l'ail, gingembre, poivre et sel. Hein? Ah, faut le faire alors? Non, parce que ça rajoute des siaves avec son jus, c'est déjà très salé, hein, bon, hein? Voilà, hein? Bon, on mélange tout ça bien. Et là, on rajoute bonnes légumes. On commence par le plus dur, alors, les haricots verts avant. Ben. Ouais. Voilà. Alors, on est bien avec des glaces, elle est toute là. Hein. Ouais. Les cols plus profonds, là. Pour l'instant, hein. Voilà. Donc, on prend un petit peu avec la cuillère, comme ça, hein. Toujours, hein. Ben. Ouais. C'est ça, on a vu, tu fais la cuisine, il faut un gros bras. Hein. Les muscles à côté, c'est moi? Les muscles à côté. Hein? On a petit bras? Christelle n'a qu'au bras, mais Christelle n'est pas trop la cuisine. Mmh. On fait un peu la cuisine ou non? Oui. Hein, qu'est-ce qu'on fait comme ça au gars saucisses? Ouais, hein. Mais pas bon peu. Pas bon peu? Avec deux saucisses. Avec deux saucisses? Ouais. Et là, tout de suite, après le gros piment dedans. Voilà. Ça va, avec la chaleur là, il va plus vite moins là. Hein? Ouais. C'est un sauté de camaron aux légumes. Hein? Enfin, pas trop trop légumes. Hein? Et là, avec les oignons maintenant, les oignons qu'on leur a coupé en petites lunes, ouais. Qu'on l'a effeuillé un petit peu. Hein? Ouais. Tout de suite, sauce d'huître. Voilà, sauce d'huître tout de suite. Ouais. Voilà. Il n'est pas bon plus là? Non. Hein, parce que tu n'auras pas à mettre siave. Tu n'auras pas à mettre siave aussi. Ben. Hein, d'accord. Et là, siave, hein? Il faut mettre, faut mettre déjà au feu. Hein? Bon. Ça rajoute un petit peu quoi, de l'eau, oui. Hein, pour des glaces de fond dedans, ouais. Comme ça. Hein? On va mettre un peu la poudre manioc dedans. Ah, c'est là au dernier moment, on met la poudre manioc alors. Hein? Donc ça c'est pour le banane, c'est un roux ou autre. Là, pour épaissir un petit peu la sauce, hein, comme ça. Ouais. Hein? Voilà. Donc, il faut faire un peu plus pour courir. Hein? Donc il faut plus alors. Tu sais, là, il faut faire un peu plus. Ah, comme commis là, hein. Oui, débutante, hein? Christelle, c'est un commis débutante, hein? On l'a vu, hein? On voit. Voilà, voilà, hein? D'accord, alors. Ok. Et rajoute un petit peu d'eau. Et on ça rajoute la poudre de manioc dedans, comme ça. Ouais. Hein? Et l'eau, ça pécit la sauce, ça laisse aller cuire après, hein? Oui. C'est ça, hein? Ben voilà, Christelle a dit, attends un petit coup. Un petit peu de poudre de manioc par-dessus. Faut pas mettre bon pé, ça, non? Ouais. Sinon, il est trop épais, en crème, bah. Trop épais, hein? Voilà, hein? Juste un petit peu, comme il fait. Et c'est la chaleur de la marmite qui ça épaissit la crème comme ça. Hein? Ouais. Voilà, hein? Et là, il rajoute de l'eau comme ça. Il y a un peu mieux de mélanger la poudre de manioc dans l'eau. Ouais. Ah, où mélange? On met direct. On met direct où? Ah, d'accord, d'accord, les bons alors. Okay. Ouais. Mais déjà, là, il commence à épaissir un petit peu là. Et donc, là, ça, il rajoute de l'eau. Voilà. Hein? Là, les bons. Hein? Je ne peux pas appeler ça un chantier, c'est un sauté alors. Ouais. Hein? Voilà, un chantier, c'est quand le feu est bien fort. Hein? Et l'eau laisse un petit peu. Ouais. Vous couvrez un petit peu ou bien on couvre pas? On couvre un petit peu. On est couvert. Ah ben oui, bon après, il m'a mis la peau couverture. Ah aussi là. Hein? Ouais. Ben les bons là, ben il laisse couvrir un petit peu. Et puis nous retrouve dans un petit instant. Et là où est-ce que tu fais tout de suite comme ça? Hein? Là les bons là, c'est là alors. Oh, le dire est bon, hein? Mais le goût, comment passer, bon?
Tu m'as fait goûter les bons. Et là, c'est quoi ça? C'est un petit peu coton midi avec oignons verts. Voilà, c'est des affaires verts pour faire joli. Des affaires verts pour faire joli. Voilà. Ça, Christelle n'aime pas. Ah, Christelle n'aime pas les trucs verts. Depuis tant petit, où il n'aime pas les affaires verts. Non. Hein, elle me rappelle quand t'es petit, même là, toutes les affaires vertes, t'es dans le manger, t'es tiré. Elle pas un. Bah oui. Hein, Ricard Antonio, il n'aime pas quand il a les affaires vertes dedans. Qu'on a trop dedans, non? Ouais, d'accord. C'est bon. Voilà. On va rendre ça dessus comme ça. Et après, il ne tourne pas ça quand il rose comme ça? Non. Il laisse dessus comme ça? Bah, fait joli. Elle est bon. Pas trop fait joli. Ah, tu mets pas trop. m'a fouillé. Ou a fouillé alors, hein? Elle est bon. Bon, ben elle est bon là, là. Hein? Merci bien. Hein? Et c'était un sauté de. Comment? Crevettes. Crevettes, parce qu'elle est plus gros, elle est plus petit, hein? Avec des légumes. Voilà. Voilà, elle est bon. À la créole. À la créole. Oui. Bon, vous prenez un petit coucou à faire? Tu en as beaucoup, hein? Bah, coucou tout le monde. Après, tu m'oublies tout le monde. Donc, voilà. D'accord. Dis-nous un petit. On a pas un peu famille trois bassins ou non? Ben, un petit big up bana trois bassins, mon bonne belle famille. Et mon chéri. Oui. Pourquoi les trois bassins, hein? Ben oui. Ah bon? Là, il travaille. Il travaille alors. Ben, les bois, là, ok. Alors. Bon, à bientôt alors. Allez. Allez. Bye bye.